le choque comme ça. Oui, mais avec les chiens. Ah oui. Ils sartent là. Non. Ça, c'est fait en boue. La terre. Fait en boue. Oui, c'est la boue. Oui, oui. Ouais. Mais ça s'appelle comment en français? Comment on appelle ça en français, les garçons? Aidez-moi un petit peu là, il me pose une question. Comme ça, voilà. Mais c'est eux qui sont en train de faire un bout de la terre. Faire un bout de la rizière avant de repiquer. Ah, il casse la terre. Ah oui, il a. Comment on appelle ça? Je sais pas, moi. On est pas paysan, lui. Bon, et Louis qui est de la campagne. Louis, toi qui t'es. Qu'est-ce qu'il fait le gars dans son champ avec la vache là? Là, il est en train de. C'est un nom? Non. C'est une espèce de herse. Le herse. Exactement, c'est le herse. Voilà, le paysan parle. Il remue la terre, il ne fait pas il la remue, mais il la légalise. Il la légalise pour. Il laboure dans l'eau. Il légalise. Il légalise. Ah oui, égalisant, c'est labourer. Attention, non, il n'a pas labourer. Le verbe SC, c'est pas le prénom SH. Et l'objet, c'est le S. La S. La S. Ouais. Allez, je sais pas ça, vous pouvez donner des leçons françaises. Plus longue qu'ailleurs. Ailleurs, c'est que environ 20 cm, mais ici, c'est 40 km. 40 mètres, centimètres. 20 cm. Oui, d'accord. Est-ce qu'il dessèche à un moment, est-ce qu'il enlève l'eau, mais quoi pas toute la durée de la végétation, il y a de l'eau. Tout le temps. Tout le temps. L'eau, c'est très important. L'eau dans les rizières, c'est de 3 à 5 cm. Ouais. Ouais. Et au Vietnam, on dit avant, mais c'était avant, on dit le plus important. Le plus important, c'est de l'eau. Oui. Et deuxième important, c'est le fumier. Oui. Troisième important, c'est le travail. Et quatrième, c'est la semence. Important, ouais. C'est la semence. Important. Ouais. Les plus importants. Ouais. De l'eau comme ça, sinon. Ouais. C'est facile. Le productivisme. Je sais pas le collectivisme. Ça. Le productivisme. Il tire le cordon. Mais fais-nous un somme, toi. C'est quoi ton problème, Louis? T'es fatigué? Merci, monsieur. Je vois les dames qui portent les bottes comme ça, dans la boue. Ça, c'est contre les sensibles, parce qu'il y a beaucoup de sensibles dedans.